Yuri la tortue parle contre Jovenel, contre madame Jovenel. Li même rive non position côté, li dit ça que fait le vin dans opposition à Jovenel Moïse. En pile gros causé par li, gros révélation. C'est pour ça que nous demandons pour prendre Tichèze Bord pour tendre tout ça nous bral dit là et qui gens que nous bral illustrer tout ça que nous dit yo, montrer au qui gens divorce l'ont été fait, il était consommé entre Yuri la tortue et président Jovenel Moïse. Alors salut les amis, c'est Alerte Rouge. En politique, faut que nous qu'on fait ça y aller la part des choses. Pas gen moun qui est infiniment bon ni moun qui est infiniment mauvais. Dans sens ça, moi pensais que l'idée bon temps pour nous ouvrir caisse noire politique là pour nous connaître qui est acteur et réellement. Qui est celui la tortue? Qui est Lambertier? Deux moun sa on songe qui était cocotte avec Figaro avec Jovenel Moïse, leur tap fait campagne comme candidat PHTK. Donc, comment crise l'a commencé? Qui j'en fait Yuri la tortue? T'es commencé avec Jovenel et puis jodi an la, li divorce avec elle. Qui j'en fait qu'a imaginer que même président Joseph Michel Martelly ta ap mani gansye de action pour fragiliser Jovenel Moïse yon façon pour faciliter transition? Comment yon moun tan kou Joseph Lambert ta jodi an la, ta bay Jovenel Moïse yon ti distance par rapport avec sa kap vini la, li pa ka compter sur li comme allié? Qui j'en tout baye sa arrive fait? Est-ce que c'est Jovenel Moïse qui gagne maladie la peste qui fait que en pile moun pa envie fréquenter ou bien moun qui te fréquenter déjà yo pa envie continuer ensemble avec lui? C'est Jovenel Moïse qui pa bon ou bien c'est tout moun sa yo qui en face li qui pa bon? En tout cas, gen en pile question pour nous poser, mais ça qui est important, c'est chercher réponse à question sa yo. C'est pour ça, n'a mande ou même kap suivre lan pour aller dans commentaire lan pour répondre avec quelques questions tant coup. Est-ce que Yuri sont corrompus? Est-ce que Lambert sont faux amis? Est-ce que Michel Martelly sont traîtres? Puisque toi moun sa aucune cité là, yo semblé pas entendre très bien avec président Jovenel Moïse qui semblé yon moun qui gen maladie la paix. Ça veut dire que yon moun que yo pas envie fréquenter pour yon raison pour yon l'autre, yo pas décidé continuer ensemble avec lui. L'important pour que ou répondre à question ça dans petit commentaire là parce que espace ça c'est espace pour que nous fait interaction. Interaction ça c'est lui même capral encourager nous continuer avec travail là pour nous connaître au moins dans qui sens souvle que nous continuer avec travail ça qui est important. Sur channel Alerte Rouge, nous voulons que vous restez la donne pour commenter, pour like et pour certainement inviter de l'autre monde abonner à vel. Donc devoir nous c'est pour nous fournir j'ai gardé. C'est pour nous faire des rappels historiques pour nous garder côté acteur OTE qui savent faire jodi an là et qui bon arrivé. Cela dit, c'est de voir nous pour nous garder comment divorce entre Yuri et Jovenel l'ont commencé. Donc, pour nous saisir animosité entre Yuri avec Jovenel l'an, il faut que nous camper plusieurs personnages. Garibodo, Jean-Ri Seyan, Martine Moïse, Yuri certainement avec Jovenel. Alors, première question pour nous t'a poser. Dossier Seyan qui implique certainement Yuri Garibodo ensemble avec de l'autre monde, qu'en est-il? Qui s'alterait effectivement? Puisque à partir de dossier ça, nous vinons que à la fois Garibodo et Yuri la tortue, yo pas du tout bons amis, ou bien si yo te déjà pas de fréquenter yon, pas fréquenter l'autre encore dans la politique là. Donc, vous sentez que yon passation de pouvoir qui fait dans le milieu politique là, côté Garibodo prend le dessus sur Yuri qui te con. Faire de stratégie politique assez souvent déranger adversaire li. Mais je dis en là, Garibodo, non seulement, il l'enjeu doit être sur lui comme moun qui pi corrompu dans la classe politique là, mais semble monsieur grand pile stratégie. Et apparemment, c'est lui même qui te mette pour figan ba piye Yuri la tortue, pour te échouer dans plan que le tapral manigancé pour continuer avec Jean-Ri Seyan en façon pour te mette Jovenel Moïse dans une situation extrêmement difficile. Donc, Yuri la tortue ba en pile détail concernant sa activité qui Jean t'a essayé continue avec Seyan pour te gagner des informations concernant les 7 mercenaires nous songe qui étaient entrés dans pays an, et qu'à la surprise générale personne pas rivé connaît qui ça ont vienne faire et côté ou t'a pralé personne pas rivé comprendre qui Jean après que ou t'a fin mettre monsieur en garde à vue yo retourné dans caillou et pas aucune explication qui baille. Donc Yuri la tortue t'a parlé et li retourner plus ou moins sous ensemble réalité ça ça que peut-être ou pas prend temps pour saisir qui Jean divorce avec Jovenel Moïse t'a commencé et qui Jean Garibodo t'a metté dans une situation extrêmement difficile dans quatre dossiers séants que en face gion de gap monter là dans politique quoi gosse del quoi petit frère de gap t'a suivre l'affaire politique Garibodo qui ouais quoi
qui est consécuté nous, de faire séance par là, alors que nous-mêmes, nous pas capables de jouer un pour nous avancer. Je vais aller une heure avec Aïbodo, le président Aïbodo. Il dit que je vais contacter le président Katav. Mais l'homme retourne, dans dimanche, l'homme réveillé, et bien moi, wake up, c'est le député qui a annoncé qu'à 10h, il a fait séance. Mais surtout, que Aïbodo ne va pas compter. Il y a 70 députés qui étaient dans le col là qui ont demandé pour faire séance cette opération. Moi, parce majorité, que. Robinson, si vous expliquez, vous avez là, il est clair. Il y a dans Juvena, une première réunion qui était faite. Première réunion, ça a été faite pour que vous disiez, par rapport à l'assassinat, pour le fait que vous allez protéger ces gens, vous même vous envoyer ces aller. Et dans la réunion, ça n'a pas de député seulement, il y a des représentants d'exécutif. C'est là, il y a environ 52, il y a ajouté des noms de députés qui partent là, parmi lesquels le député Edouanel, député de Ansouge, député Gérard, de Verrette. Il y a fait ça, et après la réunion, ça a été une autre réunion dans le palais. C'est là qui est bien planifié, et que Garibaldo était au milieu de toutes ces réunions. Il y a le fonds conférence des présidents. Il y a beaucoup de gens validés président commission en assemblée. Il y a le fonds conférence. D'après certains députés, pas de quorum, Garibaldo fait l'être là immédiatement et arrivé. Ouais, si les députés ont été rapides comme ça, ils ont entendu au moins 20 séances en janvier et mars. Il n'y a pas de séance, il n'y a pas de vente. Mais pour ça, ouais, le député prend bourrique, prend cheval, prend hélicoptère, tout le monde est là. C'est quand même, vous avez une politique. L'homme sorti dans l'armée, moi, je suis entré ici, moi, venu en 2004, je suis entré, c'est quand même qui a ouvert partie de la Tibonite en action. C'est lui qui a coordonné, qui a appris loin, comment vraiment pour m'entrer. Parce que quand même, tu es dans la valasse. Donc, je dis à moi, je ne vais pas attaquer tout un système. Bon système que je pense qui n'a pas fonctionné, surtout le premier ministre, pas exercer le rôle du premier ministre. Parce que c'est le premier ministre qui a le pouvoir réglementaire. Moi, bon, un seul exemple. Président pas carré les ministres des finances pour la faire débloquer comme. Celui qui a le pouvoir réglementaire, c'est le premier ministre. Celui qui a le pouvoir sur. Là, nous sommes dans la normalité. Dans la normalité. Et Gérald Attot, tu t'es fait. Mais pas dans la pratique. Non, mais Gérald Attot, tu t'es fait. On cherche un cas exceptionnel. Oui, et me penser à tout moment que le premier ministre qui a fait. Ou bien le fait, ou bien le pas fait. Moi, j'ai trouvé, moi-même, ses amis, premier ministre, que bien. C'est-à-dire que son aigle, moi, j'ai connu, qui est dans la politique. Moi, travaille avec elle comme notaire. Et moi-même, moi, viens déçu, l'homme, moi, que l'il pas assumé responsabilité. Dans la veille, le président a reçu au moins 12 sénateurs. Chaque sénateur que le président a reçu à la CAI, président de la République, le recevoir, il dit, il faut nous couper tête séant. Il faut nous pas quitter Yuri, faire ça l'affaire. Le président a visé directement. D'ailleurs, il parlait de moi à chaque sénateur. Et sénateur, comme des collègues, ils disent, ah, mon cher soir, président. Je dis, monsieur, c'est le président qui a parlé de moi, moi, j'ai oublié s'il existait. Maintenant, le président a préparé et nous-mêmes, nous avons préparé. Il y avait des sénateurs de toute tendance. À un certain moment, nous étions 14. Nous-mêmes, dans le Sénat. Qu'est-ce qu'a fait des autres dans le Kassa? Qu'est-ce qu'a fait? Qu'a fait des autres dans le Kassa? Dans Kassa? Oui. Le président de la République est responsable de l'abondement des institutions. Immédiatement, le temps au niveau de chambre députée à bon problème, il était doué, justement, depuis avant. Relé deux présidents pour dire écoutez, grosse situation posée, monsieur qui ça nous a fait. Walk me fait samedi soir là avec Garibaldo et Katav, c'est lui pour le président de fait. Mais comme le président fait partie du problème, c'est lui qui a poussé Garibaldo à le faire ça, c'est lui qui a mis les grands moyens dehors pour le faire ça. Donc, le président va occuper de ça. Le président est fait. Grand moyen tactique, déplacer les pions ou bien grand moyen économique? Économique. Ah bon? Surtout économique. Non, on y a. Économique. Mets ton chiffre, non, il va être comme en bas. Moi, je ne vais pas répéter ce chiffre-là. Mais le président. Mais dis-nous, dis-nous. Population. Population, je ne vais pas jouer dans un système de changer premier ministre comme ça. De président qui a fait mauvais contrat. De président qui pense le tout de bagaille. Quel monde qui dit. De sénateur, tout qui a été personnel. De sénateur qui a fait des stratégies politiques, etc. De perception. Très bien, je connais ça avec moi. Nous ne parlons pas de personnel, nous ne parlons pas de l'ensemble. Oui, mais bon, je ne vais pas jouer. Si c'est intérêt personnel. Vous avez des politiques, tout. Ah oui, c'est moi qui t'apprends un journal. Et moi qui mets des journal. Et qui est des journal au pouvoir. Oui. Et ça faut que ça s'applique tout dans ce qui a passé là. C'est 3% l'idée gagne, oui. Mettez la 68%, oui. Donc je dis intérêt personnel. Ou pas de café, ça va pas de maniga, non? Regardez. Non, madame Nigam de Fell. On nous dégaine la Tibonite. Oh oui, c'est le seul département que nous débattons, Miki. Bonjour. Il n'est pas en ce cas pour personne que Garibaldo lui supplante Yuri. En termes de niveau politique et de stratégie actuellement, puisque les Garibaldo font coup politique aujourd'hui là, les plus rapides pour l'aboutir et jouer une fin avec lui, comparé avec Yuri qui en perte de vitesse. Est-ce que ces formules qui dit que le génie n'a qu'un siècle là,
qui a respecté, puisque nous connaissons Yuri son Virac, il était là depuis 2004 jusqu'à 2016-2017. Il était continué à faire de bons coups dans la politique, là, quand il était même arrivé à faire deux mandats, l'accompagnement de Lili, fait campagne avec Jovenel Moïse et accompagné jusqu'à ce qu'il gagne. Donc, Yuri, c'est un homme qui peut aider ses amis à gagner les élections, puisque monsieur important dans un département qui c'est l'Artibonite, et là li accroche la voix pour le faire campagne avant dans département ça ou gagner. D'ailleurs, il même dit ça pour madame Maniga, il était faire gagner département ça, seul département que madame Maniga pas perdu devant Michel Martelly. Et pour Jovenel Moïse, c'est la même chose. Grâce à Yuri, Jovenel vient gagner gros département ça qui était ballon avance considérable sur tout l'autre monde qui était candidat à l'époque. Donc, Yuri, c'est un bon ami quelque part, puisque il aide de monde gain pouvoir, même si ça vient pas marcher après, on se demande pourquoi. Mais la réalité est que monde ça ressemblait, yo pas caboulé avec Yuri. Donc, ça qui fait ça exactement. Est-ce que c'est Yuri qui est trop intelligent ou bien c'est monde ça yo qui par aimer Jean Yuri a continué en qui peut-être a baillé tête idée espace pour que puis devant l'état vienne candidat et joindre support moun sa yo. Nous connais en Haïti comment politique en fait. Nèg la commencé faire politique avant cool ouais que yo commencé émerger, c'est lui même qu'on calmer tes profils en bapio. Ça, c'est pas seulement Yuri qui a fait, en pile l'autre acteur politique très coué dans ça. En pile mesdames, nous connais ça. Jusqu'à ce que nèg yo pratiquement redéfini politique là de un jeune intérêt à un jouet mesdames. À la ici, l'autre dit on est gap fait politique, son jet mesdames gap fait. Donc ça, il faut que nous changer pratique ça. Donc, pour nous retourner, faut dire que rapport yon pratiquement changé jodi an la. Garibodo, c'est yon nan moun qui très puissant, puisque zami monsieur ou fait de li yon est très puissant avec l'argent que li veut récolter, nan fait contrebande. Et puis, li gon voit politiquement que moun kouti. Parce que certainement, patron yon puissant tout. Donc, Garibodo jodi an la, ou senti son nez qui a plus force que Yuri la Tortue, qui, certainement, si n'a pren le nom au niveau géographique, capable de présenter yon pi gros leadership que Gary. Attention, hein, mais Gary, jusqu'à présent, j'a fait un pile cob et il y a des alliés, et même j'a avec Yuri, certainement, il y a un groupe moun parle tout, qui a fait le gain élection, j'en connais, m'connais. Donc, ces deux nègres, yon kon l'autre. Certainement rapport au changé dans moment là et faut dire que entre deux nèg sa yo il y a bataille, c'est vrai, mais véritable moun k'ap bataille dans deux nèg sa yo ou pas konnèl qui sa li nou pral di ou. Yuri la Tortue gen comme partenaire, Yuri la Tortue gen de très bon rapport avec les Meuves, les Grégory Meuves, les Yuri Meuves et puis certainement les Fritz Meuves qui t'ai accusé comme moun qui t'a pi corrompu dans classe politique là, même si après Fritz Meuves t'a pral retourner sous déclaration là pour te présenter en pile excuse avec Yuri la Tortue comme un bon ami, et il te présenter Yuri comme un nèg certainement qui gagne en pile loyauté. En tout cas, par contre ça Yuri te fait, mais excuse ça a été vini et la République t'est étonné ouais que Fritz Meuves t'est presque metté à genoux dans pied Yuri pour être capable accepter excuse ça. Mais Yuri continue. En tout cas, ses amis Mezio et Garibodo gagne comme patron Renaud Dib. Renaud Dib, Garibodo, Garibodo, Claude Joseph, Claude Joseph, avec un pilote encore, c'est des nègres qui étaient toujours dans le projet groupe 184 qui a continué là. Donc, bataille ça gagne là entre Garibodo et Yuri la Tortue, ce n'est pas bataille nègre seulement. Il faut aller plus loin, c'est bataille mise avec les Dib. Donc, qui sont les mises? Mes yo, c'est patron West Indies Group. C'est eux-mêmes qui propriétaire ou bien ancien propriétaire Asco qui possède Chaudeco ça et qui gagne un terminal Varu. Côté déjà te gon problème qui t'est posé au niveau de Varu, côté Marc-Antoine Akra te débarqué en bateau suc qui te gagne pile drogue là-dedans. Donc terminal Varu ya c'est pas un terminal qui de très bonne réputation puisque au moins ça t'est arrivé là-dedans. En tout cas, c'est pour les mesquiliers, eux-mêmes tout qui possédé. Non seulement Chaudeco ça, yo possède terminal nan Gonaïve et puis yo se met son tram. Et moun sa yo se bon zami Yuri la Tortue que yo ye. Moun sa yo se qui est? C'est Yuri Meuves, c'est Grégory Meuves et puis certainement Fritz Meuves. Quant à pour Garibodo, véritable patron li c'est Renaud Dim. Monsieur c'est patron DK Group. Monsieur
nous capable dire c'est une responsable plus gros réseau contribuable en Haïti. Donc moun sa certainement qui empêchait que l'état li percevoir de taxes énormes. Gen yon ancien inspecteur de douane qui est Emilien Anglade qui après 42 ans de service était obligé de démissionner parce qu'il t'a recevoir des pressions de la part de moun sa yo, les Dib, les Kaoli et certainement les Willow Joseph qui kembe Poryo en otage. Monsieur le fait connait que certainement t'es toujours gagné de contrebande cap fait au niveau de nos ports et de nos frontières avec les vobs, avec les mésavants. Mais jodi an la, contrebande que un monde t'a couru dans le Dibap fait li extrêmement brutal et il veut même exiger des rapports sous bureau et certainement li placer chaque monde dans yon point important sous frontière qui t'a capable permettre que l'état entre l'argent. Donc nous en mesure pour nous dire, selon Emilien Anglade, que près de 1 milliard de dollars annuels que l'État a arrivé récolté à partir de Poryo, certainement foncières, c'est à cause du fait que Reynold Dib, certainement, monsieur placé de moun nan pour ça. Li clair, parce que je dis en la fond cité non moun yo, puisque nous gagnons de témoignages. Moun sa yo qui est responsable, malheur nous en quelque sorte. Wanik Pierre non en bas. Gagné Willow Joseph qui n'ont bon, gagné Steve Kaoli qui n'ont bon dans zone pédernale entre Sud-Est et la République Dominicaine. Donc quelque part, le véritable patron du réseau contrebande ça, il parle autre que Reynold Dib. Donc Reynold Dib tout lui-même c'est patron Garibodo, qui fait que Garibodo capable de gagner pile moyen pour fonctionner dans politique là. Donc en politique qui finance commande. Donc pas vraiment gagné de différence entre Yuri et Gary, sauf que je dis là Garibodo, c'est lui-même qui est en position de force par rapport au fait que Reynold Dib contrôlait presque tout gros marché commercialement visé. Nous comprenons que Jean Garibodo fait muni de une telle force au niveau politique qui vient faire que il supplante en Montancou Yuri la tortue. C'est clair. Faut qu'on comprenne que moun nous pense qu'a diriger yo, c'est pas moun ça qu'a diriger. Moun qu'a tirer les ficelles yo, il pas souvent prendre la parole. Combien faut entendre Reynold Dib parler? Combien faut entendre les meuses parler? Ça pas intéressé yo, puisque y a petit refice l'acteur politique yo pour capable faire ça yo vleyan dans une époque déterminée. Qui fait beur yo à partir de le Matéli prend pouvoir tant que Reynold Dib et qui continue dans situation ça d'ailleurs, selon dira, c'est Reynold Dib qui te bail 9 millions de gouttes pour te commencer à délog pays. Il te bail avec certainement des éléments du secteur démocratique qui était pour comme ça apparemment qui pas de faire un partage de l'argent ça qui donc dès lors qu'il en fait à partir de l'argent que Reynold Dib bail son monde qui peut-être en mesure pour lui lock le vle dès lors qu'il vle tout parce qu'il gagne moyen pour ça. Donc quelque part c'est monde ça yo qui oligarque corrompu si ne veut comprendre logique président Jovenel Moïse là. Donc saisi non ça qui a tiré les ficelles en bas et qui très proche à la fois de Garibodo et de président Jovenel Moïse. Même si vous n'avez pas entendu non, il est très puissant, croyez-moi. Donc, c'est un monde qui rend que Garibodo est extrêmement puissant dans la République. Parce que nous connaissons la politique dans son jeu, mesdames, ça c'est une deuxièmement, de vous pas comme une force politique ou pas pour montrer sous terrain. Certainement, c'est ça qui fait un acteur qui a toujours besoin d'argent. Un acteur qui est capable toujours besoin d'argent. Parce que de vous pas l'argent, qui je pourrais le convaincre l'électorat, l'élection présentée. Nada! Un n'est pas fait. Zéro. Donc, quelque part, comprendre que moun qui n'a politique pas bon ici a toujours couru derrière l'argent parce que c'est seul l'argent qui est capable de faire peuple attendre, qui est capable de faire que les gens votent dans mes peuples. Donc, la question électorale se pose à partir de qui quantité l'argent ou gagne. Donc, l'argent entre dans la question élection très certainement et c'est ça qui bat une série de forces pour agir sur le terrain politique. Ou comprendre plus ou moins qui j'ai une bataille là, là. Son bataille entre les anciens contrebandiers et les nouveaux contrebandiers, qui certainement a tiré les ficelles de nos acteurs politiques. Les meuses qui appuyaient Yuri la tortue, ses partenaires yé. Et puis, yon l'autre bord, les Dib qui a appuyé Garibodo pour intérêt. Donc, comprendre que ce n'est pas toujours ça ouais qui sont vérité. En pile fois, ça mandé pour que vous allez chercher données pour analyser et pour comprendre véritablement. Qui est au fond qui a fait jouer de politique là? Moun qui a fait jouer de politique là dans le moment ça, c'est moun sa yo. Les éléments du secteur privé, président, t'as capable de le oligarque corrompu, même si
97% beaucoup de président c'est eux même qui a fait jouer politique là. Donc le président Jovenel Moïse a parlé de monde qui pas ta supposé dans politique qui entre col dans question politique là déranger système là. C'est ça que fait le président appuyer sur argument ça pour lui dire que entre politique yo c'est là problème doit résoudre. Pas doit gagner un monde qui à la fois entrepreneur, businessman et homme politique parce que les deux intérêts à marier gagnent certainement des vis qui glissent qui viennent craser jeu de politique là. Qui certainement qu'on mettait par exemple un président qui finit élu ou bien un sénateur qui finit élu dans difficulté pour lui appliquer programme politique li ou bien atterri vision parce que gagne des éléments dans secteur privé ou même qui financent les moun à l'élection le fin bon yo fait au marché SS de quelque part président qu'on de qui ça la parle parce que moun sa yo te bal tol te bal duri te bal bois pour tal bay moun dans Jérémy et assurer que président Jovenel Moïse gagne. Donc parmi moun sa yo il y avait certainement Renaud Dib qui était investi en pile au même titre que les Andal, les Bidjo. Comprendre jouer avec politique qu'a fait là, chaque acteur yo yo gagne des moun qui certainement a tiré ficelle yo qu'a bay au moyen pour faire travail pa yo pour bay au port, pour bay aux frontières et pour continuer grandir économiquement au détriment de classe moyenne là, au détriment tout de diaspora parce que c'est même moun sa yo qui crée conditions de stabilité que n'a vivre là pour empêcher que à la fois des investisseurs étrangers pas rentrer et diaspora pas qu'à rentrer pour venir investir dans pays pour venir aider de proche avec zami qui dans situation de précarité énorme. Donc comprendre bien le jeu de la politique qui t'a doué normalement en jeu d'intérêt qui chita sur une base morale mais les vinon jouet mesdames qui chita sous tout coup sous corruption totalement. Donc quelque part comprendre que acteur ça yo même si ou a fait jouet entre eux même et ben yo gagné de gros patrons qui a tiré ficelle du. Lors ou Garibodo avec Yuri Latorre tu pas bien et bien certainement gagné patron tout pas bien les Meuse et les Dib yo certainement pas entendu. C'est ça qui fait par exemple qu'a joignent unité au niveau du secteur privé et ça qui fait pas qu'a une cohésion au niveau de moun sa yo qui a financé des acteurs politiques qui gagne business dans le pays hein, qui pourtant fait nous au moins gon bourgeoisie nationale parce que chaque a défendre intérêt yo et que c'est ça président Jovenel Moïse vient faire là la remplacer moun sa yo par de nouveaux moun faire de nouveaux riches ou bien continuer renforcer de moun qui était là investi dans campagne li dans pouvoir pour yo vin non situation d'hégémonie par rapport avec ça que t'es là déjà ou par exemple les Meuse les Vorbes. Donc comprendre jote là c'est ça que lié par l'autre et nous même nous gain devoir pour que nous porter ça pour comprendre très très bien qui Jean jote là lui-même la fête là entre les acteurs politiques et par exemple Yuri La Tortue ensemble avec Garibodo de Nexayo Koulian là qui n'ont goumé à distance. C'est Garibodo, c'est pratiquement un monde qui grand pile force politique là depuis le parlement, grand pile bagarre qui cap fait. Dernièrement, le président te font accusation pour dire que li te mettait dans budget à plusieurs millions de dollars pour te gérer question amendement constitution hein, mais le pas de fait. Mais président tout profiter accuser Garibodo qui dans moment ça, te président chambre basse là et qui te gain assez de pouvoir pour te réunir ensemble de députés pour t'établir sous question réforme constitutionnelle là. Peut-être que président Tevin Wessezil lors de discours de circonstances li avant-hier qui t'a ramené 218e anniversaire de rapport côté président Tijan mette bimol mais nous connaît information c'est que Garibodo t'a fait cool connaît pour te passer sous ça parce que peut-être li pat vle bay une paternité avec Jerry Tardieu qui t'a travaillé ardument sous question réforme constitutionnelle. Donc n'ego non seulement prend l'argent, il pas fait travail là, il tout profité glisser petit profit en papier de l'autre parlementaire qui t'apparaît avec des projets. Puisque c'est parlementaire ça parle avec réforme constitutionnelle là, eh ben li ka vinn gagnon certain frame qui ka fait que li vinn présidentiable non éventuelle élection pour la présidence. Donc quelque part, c'est ça jeune politique là et c'est bam kouman beaucoup, c'est madame kap fait, c'est nèg kap ton le patron passe au l'autre puis écrasé de l'autre monde. Donc quelque part son bataille des anciens et des nouveaux oligarques corrompus cap fait là sous scène politique là. Donc deux monde ça yo nous connaissons pas eux même qui mettent tête yo
c'est ficelle yo y a tiré. Donc même Jean Jovenel Moïse a fait des déclarations là pour faire que là il est patron parle. Même Jean ouais il a tort tu voulais camper en face et montrer que il voulait faire réforme, il voulait que paysan li relancer et que il prend route développement. Non, il est patron parle. Donc c'est patron cap goumer pour des espaces de marché puis capable consolider position d'hégémonie par rapport avec de l'autre point bas. Nous mettons quoi, c'est ça que lié, c'est ça bataille là et en profondeur. Donc, Yuri comme acteur, il te dit, ça a été gagné avec Jovenel Moïse hier, quand il t'a répondu question journaliste de la place, Yuri livre totalement. Et dit tout ça qui t'est gagné entre lui-même avec Jovenel Moïse. Soldat Jovenel. Jovenel connaît qui ça me gagne. Mais pays a connaît tout. Pays a connaît. Ça lié. Parce que, regarde, je ne parle à Jovenel avant que je passe à l'opposition. Parle avec elle. Premier problème moi j'ai avec Jovenel d'ailleurs femme jour, m'étais on dans président Sénat qui votait 42 textes pour Jovenel. Mm-hmm. Ouais Jean Jovenel et Megla, li levé malin. Tellement il est force ou pas l'énergie, tellement content. Oui. L'aime voter loi, il levé, il dit mon cher, sacrifier moi tes besoin ça parce que avec ça il a débloqué comme. Donc ce qui veut dire que moi je travaille comme président Sénat pour que majorité que m'étais là-dedans, et bien m'étais légaliser politique publique gouvernement. Gouvernement. Cependant, premier bagarre avec Jovenel. Moi dis, la semaine nous parlons comment relier ça encore caravane là. Caravane. Yo bay 3 nèg jiri 300 millions goud. M'apprendre que nèg yo volé comme là. Prend comme là. Me dit président nèg yo mange comme là oui. Il dit ah non, pas quoi c'est vrai. Me dit mais comme là sorti dans ministère agriculture manger. Me dit président objectif nous c'était 120 000 tonnes jiri pour nous passer à 240 000 tonnes. Premier soir fait à bon de l'eau météa. Quand on a eu la bon. Les amis dans la grange. Ou dans la grange. Dans la grange. Au contraire, le sam s'est ouvert la grange. Ou pas trois ans après, la grange. Non, depuis même l'un d'aller. Ou te dit ça. Me dit ça. Ou te fait un reportage. Ou sous ça. Me dit, président, bamzo. La difficile, oui. On est dans politique, on a une ambition. Mais je vois comporter la même sénateur, je vais tourner à la tibonine. Oui, madame. Deuxième chose. La deuxième chose. Il y a trois que ma oui. Gagné, il a pas mettre sous pied le conseil électoral permanent. Nous réunir en majorité. Laisse le président comme majorité qui a marché. Parce que le président a besoin de majorité. Majorité active. Active. Le président a besoin de majorité pour nous voter pour l'électricité. Nous devons faire contrat. Qui vote. Nous voter à l'unanimité. Le président dit il va le faire conseil électoral permanent. Gagné, première fois, on dit là. Oh, et pour ça que je me pose une question. Trois mouns pas au pouvoir. Oui, le président a trois. CSPJ qui est toi, Parlement qui est toi. Oh, l'homme gardé, il y a presque bon trois noms, Parlement. Il y a trois noms. Comme si Parlement, il portait trois noms. Oui. Ça veut dire que l'exécutif a bien six. Après six. Et puis, il y a pas le jouer dans CSPJ encore. Oui. Et puis, moi, je dis, président, il est bon pour nous confier la majorité à deux mouns. Ou mettre point quatre. Deux mouns. Oui. Ban deux mouns, opposition a bien yon. Parce que moi-même, figure m'baye comme président là, m'pa ka paraître que mon nèg qui pourra la valiser toi non ça. Oh, nèg yo di ma oui, ok, pas un problème d'être par la opposition. Donc m'pa la beau plan, m'pa la tout le monde dit, monsieur, écoutez, comme président, je vais faire la part des choses. Ou la m'gen un moun, majorité a bien deux moun, choisi moun. L'homme paraît, Gary, mouvant Assemblée nationale, nèg yo paraît en commission, en rapport, et puis nèg yo présente trois moun baye wa, majorité a. C'est un wagon du tout. M'pa konnen. Et puis moi me frappe bah ouais comment moi va essayer ça. C'est ça ouais. Me dit non, c'est pas ça qui a été conclu. Oui. Le président doit respecter ce qui a été conclu et il laisse ça c'est quatre donne gâteau qui vient devant. Il dit moi son vrai président. Et puis me dit monsieur, me pas ca faire comme ça parce que nous t'ai promettre opposition au monde. Et puis tu vas jamais prendre trois moun yo. Deux, troisième là c'est qui ça? La troisième chose. M'a parlé de ça là de façon ouverte. C'est la question de Dermalog. Dermalog. Ça qui passe pour Dermalog. Gary, moi, tu es président de la commission éthique anti-corruption et moi, tu as mené des enquêtes sur la question Petro-Caribé. Pendant un jour, Alice, je n'ai pas besoin de non. Oui. Qui relève, qui bat mon dossier, qui dit, mets un contrat, mon contrat, que Cour des comptes ou jeté et que président va le faire exécuter. Je prends un contrat. Ou peut-être qu'on ça. Bon, on ne sait pas qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas du tout. Je prends un contrat. Je vais aller dans le coup des comptes. Le coup des comptes dit bon contrat, il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas expliqué le projet bien. Il y a des problèmes. Il y a rejeté la première fois.
la deuxième fois, ils retournaient contre l'armée sous le label de sécurité nationale. Et que seul problème qu'on y a, ils n'ont pas expliqué pour qui ça, ils n'ont pas fait l'autre bagaille, alors que tu es un combat là déjà. Moi, je dis, ah, si c'est comme ça, faut que moi-même, mal dit président, je dois exécuter comme ça. Pas oublier, Lambert est président. Nous sommes en avril 2018. Malouet président, président dit, mais sous question ça, faut me parler avec conseiller Lio, parce que de toute façon, son bail qui est important. Je dis, président, pas important, non, mais pas faire son bail ici à Tchoukoude. Au début d'avril. Pas j'en parler encore à président. Le 30 avril, le président pourrait arrêter en conseil des ministres. Il ordonné que, grand série de contrats, même si on n'a pas aval pour des comptes, il faut que vous exécutez. Non, mais ça, la loi dit. Non, la loi n'a pas dit ça. La loi dit. Tout contrat, 200.4, tout contrat à caractère financier doit avoir l'avis de la Cour des comptes. Mais comment monsieur fait passer outre? Il passe outre, parce que Bamzougari, l'article 200.4 de la Constitution dit tout contrat doit avoir l'avis de la Cour des comptes. Et la loi de 2009 sur l'exécution des contrats, sur la procédure d'exécution des contrats, du CNMP dit, dans l'article 2.4, que l'avis de la Cour des comptes doit être favorable. Donc, je me dis, président, me montre le président poussé. Je me dis, de toute façon, comme président de la commission éthique anticorruption, il faut que moi-même, je fasse enquête sur question. Je dis, président, il n'est pas trop tard. Et dans l'enquête, je vais recommander de reprendre ce contrat. Parce que c'est un allié. Oui. Je dis, je vais recommander pour reprendre, mais je vais faire de façon institutionnelle. Et en décembre, le 18 décembre, je ne vais pas gagner, je vais convoquer le directeur de l'ONI. Moi, je dis, il faut venir bail explication sous question quand là. Le 18 décembre, le directeur a venu et puis il a posé la question. Comment il a fait affaire appel d'offres? Pour qui ça que l'IT est arrivé et bien pour une seule compagnie? Et là, ça, monsieur a expliqué, c'est pour la première fois, Gary, en direct, oui, à la télévision, oui, non, que monsieur dit, c'est l'ICTAL en France. Nous dit, monsieur, comment faire? Comment faire talent France? Est-ce que ministre de tutelle ou t'es bon autorisation? Et c'est là ça, monsieur dit oui, t'es un gros bois d'elle, c'était la première dame. Pas de jamais connaître que première dame t'es dans la question ça. Moun qui nomme nos premières dames, c'est le directeur de l'ONU. Oui, bah, il a tellement fait bruit. Sénateur Fethi a dit, quand que c'est ça? Ça. Nous demandons, on huis clos. Quand il y a, non huis clos. Sénateur majorité al parler à monsieur vous dit que pas cité non première dame là il pas rien pour le ça. On a repris la séance, monsieur dit première dame là t'es dans avion. Donc à partir de ce moment le président toujours pensait que c'est moi qui mettais non première dame dans la question. Et président voyait commission pour dire que moi cité non madame li. Mais c'est pas vous même du tout. Moi dit président si m'tap cité non madame m'tap dit yo la toi tu pas fait monde. Donc comprendre que l'intérêt, c'est lui-même qui mobilise l'action, tout le monde qui a fait politique. Tout ça, c'est une question d'intérêt. Yuri, tu as intérêt pour que Jovenel Moïse te réalise ou permette que le réalise ensemble de projets dans Artibonite, li pour l'autre route. Donc, il décide de divorcer. Jovenel Moïse qui dit lui-même, pas de vouloir que Yuri ait un certain frame tout, avec éventuellement travail ça a réalisé dans Artibonite, li tout campé sur Yuri, parce que tout Yuri, selon lui-même, t'es cité non madame ni non fait de corruption avéré. Tout le monde te wè vidéo ak photo madame nan effectivement. Tout le monde te connaît que effectivement Martine Moïse te nan question dermalogue là. Mais le grand péché de Yuri, c'est que li te là le directeur Onian t'a fait révélation hein? Et comme Yuri son est qui selon pile monde de la perception qui met dame qui une stratégie, président certainement pensait que c'est Yuri qui jouait li pour met parole en bouche directeur ONI pour capable dénoncer première dame nan te al fait voyage là avec directeur ya pour te faire contrat ça qui ta supposé fait par des moun qui ordonnateur. Comme première dame nan pas ordonnatrice, li pas supposé nan position ça pour la faire contrat pour l'état. Et malgré tout que la Cour des comptes pas de bayon avis favorable avec contrat ça pour le passé. Donc quelque part nous tenons illégalité et comme président Jovenel Moïse bon ami ou il connait qui commet dame ni ka fè, il pensait que effectivement c'est Yuri qui t'était mettait madame ni dans situation extrêmement difficile. Mais
Jovenel Moïse, faut le connaître que il pas toujours gagner toute fenêtre couvert pour lui. Il des fenêtres qu'a ouvrir pour l'autre là tout parce que en politique, c'est comme la terre qui tourne. Quand le lambo pour là, quand le lap non bon pas l'autre là. On pas toujours gagner toute carte dans mais parce que on le faut partir à fini. Donc c'est en quelque sorte ça ne dégaine pour comme message dans cette vidéo ça nous espérons que vous prenez plaisir dans commenter tout ça nous dit là parce que toujours gagner moyen pour commenter mais ça qui est beaucoup plus important pour nous c'est ouais que vous pas quitter vidéo ça fin rouler ou bien tendez sans que vous pas abonné sur Pocofel ou bien demander l'autre monde tout pour abonner parce que channel ça c'est lui même qui pote pour les meilleures analyses.